fait de la prépa physique alors que c'est déjà un bel athlète. Et ce que j'aimerais savoir, c'est qu'il nous donne ses sensations en sautillant un petit peu dans le bain de cryo, enfin dans le bain, dans la cabine, pardon, de cryo. On va voir ce qu'il nous raconte. Donc Yo, c'est vrai que je suis un bel athlète, ça je suis d'accord. Explique-nous un petit peu ce que t'attends de ta prépa physique, ce que t'attends de moi, ce que t'attends de, en termes de résultats, ce que ça va t'amener. Alors bah, déjà, je pense déjà à ma prochaine saison. Donc la prochaine saison 2017-2018, donc plus axé sur 2018. La prépa physique au départ, bah, on va reprendre un petit peu les bases, ce qui va me permettre d'être plus gainé, comme on en a déjà parlé, sur mes entraînements, être performant sur mes entraînements, la prévention de blessures, voilà. Donc ça, tout est lié aussi à la cryothérapie, parce que du coup, bah, c'est un super complément. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, pour parler en fait de la prépa physique et de la récupération grâce à la cryo. Donc pour la prépa, en fait, déjà j'ai des beaux petits objectifs pour la prochaine saison, donc, dont une grosse surprise avec une longue préparation. Et là, la prépa physique, elle va être indispensable et obligatoire pour ça. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que tu attends de développer certaines qualités musculaires que tu n'avais pas? Est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu attends réellement en termes de restitution sur tes courses? C'est-à-dire de te sentir plus à l'aise, de te sentir plus dynamique, plus explosif? Quelles sont concrètement les choses que tu peux... Déjà, je peux avoir toujours la même foulée du début jusqu'à la fin. Avant, je m'affaissais beaucoup. Le problème de s'affaisser comme ça, t'es moins performant, tu subis. Enfin, je veux plus subir sur mes courses. Donc, je vais me faire mal pendant mes entraînements de circuit training. C'est dur. Ça dure 30-40 minutes. Donc, je me fais un focus là-dessus. Je me dis, voilà, ça va m'aider sur les courses. Je l'ai vu sur des courses courtes où je suis beaucoup plus dynamique, plus puissant. Je le vois sur des courses comme des 10 km et des 20 km. Et là, je le vois aussi maintenant sur des courses beaucoup plus longues et je suis plus tendu. Et je suis content. Merci Be My Sport. Eh ben super. Merci bien, Johan. Et puis, j'espère que ces infos vous auront donné envie aussi de pratiquer des circuits de training avec Cryo Reflex. Et merci Cryo Reflex.